Coucou tout le monde! Suite aux mesures prises par rapport au coronavirus et donc l'impossibilité de vous retrouver au club pour les cours, je vous propose cette petite vidéo où nous allons faire comme les jours de pluie, c'est-à-dire réviser la théorie. Cette vidéo portera sur le galop 1 de Voltigeur. Si vous avez bien lu mon livre, vous devriez connaître toutes les réponses. Que ce soit sur les soins, le travail à pied, la pratique et bien sûr les connaissances théoriques. Je vais donc vous poser des questions sous forme de QCM. Et vous aurez seulement 5 secondes pour y répondre. Attention, on ne triche pas. En revanche, les plus petits peuvent se faire aider des parents. Munissez-vous d'une feuille et d'un stylo. Notez bien le numéro de chaque question et la lettre de la réponse qui vous semble correcte, juste à côté. Attention, certaines questions peuvent avoir plusieurs réponses justes. Vous êtes prêts? Allez, on y va. La bombe est-elle obligatoire en voltige? Réponse A, oui. Réponse B, non. Que doit-on porter comme chaussures pour voltiger? Réponse A, des chaussons. Réponse B, des bottes. Réponse C, des pantoufles. Citez une des règles les plus importantes en voltige. Réponse A, ne pas passer derrière. Réponse B, ne pas courir près du cheval. Réponse C, ne pas couper la route au cheval. Comment se nomme la partie haute des fesses du cheval? Réponse A, la croupe. Réponse B, les fesses. Réponse C, la queue. Est-il toléré de voltiger avec les cheveux détachés? Réponse A, oui. Réponse B, non. Comment se nomme le docteur des chevaux? Réponse A, le docteur. Réponse B, le vétérinaire. Réponse C, l'infirmière. Comment se nomme la femelle du cheval? Réponse A, la ponette. Réponse B, la jument. Réponse C, la pouliche. Comment se nomme ce qu'on met sur le dos du cheval pour voltiger? Réponse A, le filet. Réponse B, la longe. Réponse C, le surfait. Comment se nomme le petit du cheval et de la jument? Réponse A, le poney. Réponse B, le poulain. Réponse C, le bébé cheval. Comment se nomme ce qu'on met sur la tête du cheval pour travailler? Réponse A, le filet. Réponse B, la sangle. Réponse C, la longe. Quelle robe possède une seule couleur? Réponse A, alezan. Réponse B, B. Réponse C, noir. Qu'est-ce qu'un cheval B? Réponse A, poil marron, crin noir. Réponse B, poil et crin roux. Réponse C, poil et crin marron. Comment se nomme le cou du cheval? Réponse A, l'encolure. Réponse B, le cou. Réponse C, le col. Comment se nomme l'endroit sur le cheval où l'on passe la sangle lorsqu'on le selle? Réponse A, la sanglette. Réponse B, le passage de sangle. Réponse C, le ventre. La poitrine du cheval se nomme le poitrail. Réponse A, vrai. Réponse B, faux.
Comment se nomment les membres de devant du cheval? Réponse A, les antérieurs. Réponse B, les intérieurs. Comment se nomment les membres de l'arrière du cheval? Réponse A, les extérieurs. Réponse B, les postérieurs. Que signifie un cheval qui couche les oreilles en arrière? Réponse A, curieux. Réponse B, agressif. Réponse C, il écoute. À quel endroit peut-on se renseigner en arrivant dans un club? Réponse A, l'accueil. Réponse B, la sellerie. Réponse C, le clubhouse. Où range-t-on le matériel des chevaux? Réponse A, dans la sellière. Réponse B, dans le box. Réponse C, dans la sellerie. Comment se nomme la figure de voltige où le voltigeur fait tout le tour du cheval en restant assis? Réponse A, la princesse. Réponse B, le moulin. Réponse C, le drapeau. Comment s'appelle ce qu'on met entre le tapis et le surfait? Réponse A, la sangle. Réponse B, la mousse. Réponse C, la chambrière. Le cheval noir a-t-il le droit d'avoir des taches blanches? Réponse A, oui. Réponse B, non. Comment se nomme la figure où le voltigeur à genoux lève un bras et une jambe? Réponse A, le drapeau. Réponse B, l'étendard. Réponse C, l'arabesque. Combien de galops de voltigeur existe-t-il? Réponse A, 4. Réponse B, 5. Réponse C, 7. Quelle est l'allure la plus rapide du cheval? Réponse A, le galop. Réponse B, le pas. Réponse C, le trot. La carrière est un espace de travail couvert. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Quel est le métier qui consiste à nettoyer les boxes et à nourrir les chevaux? Réponse A, le palefrenier. Réponse B, le vétérinaire. Réponse C, le moniteur. Comment se nomme la corde permettant de tenir son cheval? Réponse A, la laisse. Réponse B, la longe. Réponse C, la corde. Comment s'appelle la partie de la crinière qui pend sur le front du cheval? Réponse A, le toupet. Réponse B, la frange. Réponse C, la crinière. Je vous invite maintenant à comparer vos résultats avec la fiche qui suit. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour avoir le temps de tout corriger. Ensuite, contactez-moi directement pour me donner vos résultats, me dire s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises et que vous aimeriez qu'on revoie ensemble. Le fait de savoir va me permettre de vous faire des vidéos plus ou moins sur mesure. Enfin, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et en allant dans mes playlists, vous retrouverez plusieurs séries de vidéos rangées par niveau pour apprendre toujours plus de choses et continuer à progresser même en restant à la maison. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.